Bonjour, bienvenue à Pas de pitié pour les croissants. Aujourd'hui, une émission exceptionnelle. C'est un bêtisier que nous vous proposons avec toutes les âneries dites ou faites lors des 400 heures de tournage pour les Pas de pitié pour les croissants. Alors restez avec nous pour 25 minutes de rire et de fou rire. Pas de pitié pour les croissants. Azoulette est idiot. Là, ah, il n'y a qu'une seule lettre. Oui, c'est tout ce qu'on a reçu. Bon, bah t'as qu'à la tirer au sort. Oui. Là, voilà, vas-y. Et maintenant, je vais l'ouvrir et vous allez connaître le nom du gagnant. Voilà, suspense. Marc. J'ai gagné. Tricheuse. Je ne sais pas quelque chose. Mais je ne sais pas quelque chose. Oh, j'ai arrêté. C'est tout. Quelle horreur. Attrape-nous. J'ai perdu ma perruque. Chic. Où est-ce qu'on va, là? Nous allons rejoindre les autres chèques. Ouais. Déjà que, mais alors? Ah non, le papa! Je suis trop vilaine! Pas de pipi! J'en prends, excuse-moi. Pas de pipi, pas de pitié pour les croix, pour les sangs, pas de pitié pour les croissants. Vlan! Oui, mais ça, c'est l'annuaire parce qu'on s'en sert pour mettre les anneaux. Ah non, je me suis trompé de doigt. Oui, c'est celui-là. Pas de pitié. Dès le départ. Bonjour les petits... Non. Bonjour les petits enfants. C'est une perruque, c'est pas un chapeau. Bonjour les petits enfants. Oh putain. Attendez une seconde. Voilà. J'arrive pas, là, je peux pas là. Comment ça se fait qu'ils te rendent encore plus moche chaque jour? Bon, on y va, allez. L'heure est grave. Un vaisseau ennemi vient d'entrer dans le champ de nos radars. C'est un escorteur léger de l'Empire Galactique nommé... Nommé Albert Schweitzer. Mais lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le détruit ou on le détruit pas? Je sais plus, moi. Le croissant doré imbécile, c'est le titre de l'émission. À vos souhaits. Des invités, nous en avons eu beaucoup. Tenez, par exemple, ce célèbre commentateur de football qui était venu tout spécialement pour nous parler d'un match de foot qui se déroulait 2000 ans avant Jésus-Christ. Tout de suite, en direct du stade de Bourg-la-Reine, à vous, Thierry Roland. Encore qui passe la balle. Ando, Arp, interception de Nja, tir, contrôle de Ndo, but. Là, il est parti loin. Hein. Oui, d'accord. Oui, d'accord. But. Au point où on en est, je crois qu'il n'a pas tort. Hola. Hello, mon jet augmentation. Hello, bouillie augmentation. Hello, azulé, grosse augmentation. Hello, le lait, bonjour. Docteur Jacques Zer. Mon Dieu, docteur Gillot Pétré de la faculté de médecine de Paris. Quel bon vent vous amène, mon cher confrère. Eh ben écoutez, si je savais mon texte, ce serait encore mieux, mais le problème, c'est que je l'ai complètement oublié. Ça pourrait être sympa, ça pourrait être sympa. Ça serait très bien si j'avais mon texte, mais je ne l'ai pas. Bah oui. Écoute, petite sœur, je suis... Arrête de rire. Ça tourne toujours? Toujours, oui. Je vais avoir des bleus partout. Écoute, petite sœur, je suis absolument désolé, mais je n'ai pas du tout... Qu'est-ce que t'as... Mais tu vas finir le bouffer, toi, là. Bon, c'était pas moi, ça. Ça tourne? Ça tourne. Écoute, petite sœur, je suis absolument désolé, mais je n'ai pas entendu les appels au secours que m'a lancé l'innocente victime. Qu'est-ce que t'as à te marrer comme ça, toi?
Mais je suis pas trop mauvais, j'essaye d'être un ringard, c'est différent. Pour qu'un beau prince charmant se réveille, il faut qu'une belle princesse charmante lui donne un baiser. Oh non, non, je ne peux pas, mon petit fidèle Pat, je ne peux pas. Je lève tout le jersey. Pat, aide-moi, vas-y. Oh, est-ce bien nécessaire? Oui. Oh. T'es pas supposé faire la tronche, là! T'es supposé te lever! Mais pas en public! Je tiens à signaler à l'aimable assistance que c'est là ce que nous appelons dans le jargon du métier un baiser de cinéma. Le prince Jackie est tellement bon, tellement intelligent qu'il comprendra! Hein? Mmh. Bon! Quand t'auras fini de mettre ton nez dans mon décolleté, tu vas voir, toi. Vous avez vu ce qu'il m'a fait? Ouais. Franchement. Et moi? Vous avez déjà entendu quelque chose d'aussi ridicule, vous? Mais pas. Le décolleté! Patrick, et en plus, c'était pas rasé. Je rêve! Mais tu piques! Mais je pique, ma biche, je me suis rasé pour toi hier. Oui, yeah. Vous inquiétez pas, les amis, j'arrive. Ah, damnette, dites la rivière, je suis en fait. Ma petite sœur, ma petite sœur. Lève les mains en l'air, Pat, plus haut que ça. Allez. Oh, monsieur la rivière, jamais je n'oublierai ce que vous faites pour nous. C'est simple, bébé. Monte sur la pointe des pieds et fais-moi une petite bise. Waouh. Et moi? Et moi, et moi? Allez, vas-y, bébé. Bah, vas-y, bébé. Shérif! Et moi? Hé, chef! Vous n'allez pas laisser faire ça quand même, enfin! Mais contre la force brutale, il faut s'incliner. Chaque jour, on fait se garder. Ah, je n'ai rien à la fin, non! Moi, j'ai remis ici encore sur une fois, chef. Voilà, c'est 2h du matin, soeur, un tour. Bézu est très certainement le premier invité de Pas de pitié pour les croissants à avoir enfreint la première règle d'or. Ne jamais donner une carte blanche à Dorothée, même s'il s'agit d'une gifle. Regardez bien ce qui va se passer et surtout, regardez la moustache de Bézu. Dès que j'ai mené à bien ma mission, je reviendrai pour toi, ma petite Gauloise, si tu le veux. Oh, bah, excusez-moi, chef, mais je pouvais quand même pas le gifler, lui. Oh, je la refais pas. Tu m'as décroché la tête. J'ai plus de dents. Mais cette petite bonne femme, c'est un sacré petit bout de bonne femme. Tu m'as décroché la tête. Je la refais pas. À la télévision, comme au cinéma, les scènes sont rarement tournées en une prise. Voici quelques bons moments, à commencer par la déclaration d'amour d'un animateur barbu pour une grande vedette de la télévision. Mademoiselle Dorothée, je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire, mais je vous trouve charmant. Bon. C'est reparti. Attention. 4 secondes d'intense émotion amoureuse. Top. Mademoiselle Dorothée, je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire, mais je vous trouve charmante. Merci, monsieur McCorby. Vous savez, mademoiselle Dorothée, si monsieur McCorby le pense, c'est que... Non, bon. Si, c'est qu'il le dit. C'est qu'il le pense. Ouais, le pense. Bon. C'était bien. Non, mais bon, oui. J'ai les ongles dégueulasses. Alors voilà. Ce qui m'a fait rire, c'est un peu de fatigue. Ça suffit. C'est un craquage. Bon. Chut, c'est fini. Ouais, chut. Maquillage. Tu veux qu'on arrête le moteur? Non, ça tourne. Non, c'est bon. Attention, ça tourne. Top. Mademoiselle Dorothée, je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire, mais vous êtes vraiment charmante.
Casse-toi, toi. Mademoiselle Dorothée, je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire, mais je vous trouve charmante. Allez, on arrête le moteur, vous voulez faire 5 minutes de pause? Bah non, c'est pas drôle. Et voici pour la première fois à la télévision française, la première leçon de Jackie en anglais pour tous nos amis français. Hello little children, welcome on a set on your favorite transmission, Harris. Bon. Ça recommence. Attention. Stop. Hello little children, welcome. Bah, attends, faut que je me concentre parce qu'elle a fait. Oui, bon. Hello little children. Hello little children, welcome on a set on your favorite transmissions, Harris. Bon. Quand on est un artiste, il faut tout savoir faire, même le ménage. Que dites-vous? Quoi? Le savant vous préva... Prépa! Attends, mais... élargis un petit peu la une. Prépare! Comment? Que dites-vous? Hey! Quoi? Le... Bon? Oui? Qu'est-ce qui se passe? Comment? Et que dites-vous? Pardon, quoi? Le savon... C'est pas vrai. Mettez-vous d'accord, là. Non, mais excuse-moi, excuse, hein. Comment? Que dites-vous? Le savon vous prépare... Pardon, quoi? Le savon vous prépare encore un piège infernal contre une innocente prévenue... Je suis navrée. Comment? Mais... Ne rigolez pas dans le public, hein. Allez, non, s'il vous plaît, là. Oh! Lorsque les scènes sont un peu trop longues, nous trichons un tout petit peu. Nous essayons de dissimuler le texte quelque part. Ce fut le cas dans le tournage que vous allez pouvoir suivre. Jackie a caché son texte derrière le feu. Le feu, lui, est vrai. Regardez. Bon. Oh, il y a du feu sur mon texte. Au secours, merci. Il y a du feu. Ça tourne toujours, allez-y. Ouais, ça tourne bien, même. Waouh, 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 mes frères. Waouh. Si j'ai réuni aujourd'hui le conseil de la tribu, c'est que l'heure est grave. Si j'ai réuni aujourd'hui le conseil de la tribu, c'est que l'heure est grave. Il se marre. Waouh, mes frères. Waouh. Si j'ai réuni aujourd'hui le conseil. Faut pas que je te regarde. La sagesse parle de la bouche du grand chef et de potage. Parfois, je vais rire. La sagesse parle de la bouche du grand chef et de potage. Oui, mais que pouvons-nous y faire, mon frère? Pat. Moi, je serais l'avis de le faire. Je serais l'avis de le faire face parfois. Parce que... Allez, ça tourne. Oui. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Vous êtes très bien que j'ai horreur qu'on me dérange pendant pas de pitié pour les croissants. Approche. Oh. L'est-il? Approche. Oh, oh, merci, divine maîtresse. L'heure est grave. Un vaisseau ennemi vient d'entrer dans le champ de nos radars. C'est une navette légère, un escorteur léger de l'Empire Galactique nommé le Croissant du Schmug, et j'en ai plein le c***.
Et ça ne va pas du tout. Et dans 15 jours, on y sera encore. Alors ça suffit, prenez la prise d'avant. Après 14 heures de tournage, la fatigue aidant, on commence à rire n'importe quand, pour un rien. Regardez. Dis donc, Charlie, dans oui. pantalon, tu mets un aile ou deux ailes? Je mets que des slips. Les toilettes. Hein. Ne t'inquiète pas, Pat, c'est de l'or massif. Qu'est-ce que c'est? Non, attends, parfait. C'est parfait ce qu'on a. Elle en douille. C'est pas possible. Coupez! Coupez! Les toilettes en or massif, n'importe quoi, l'odeur. Bon, attends, là, de toute façon, j'ai mal démarré. Moi. Il fait chaud là-dessous. Et ça passe au dimanche matin en plus. Toilettes en or massif. Mais attends, une seconde. Attends, il a fourré, mais je ne peux pas. Attends, non. Il y a qui bouge en dessous. Maquilleuse. Maquilleuse. Tu vas encore faire un triomphe, Pat, ce soir. Ne chatouille pas. Mais c'est ça. C'est aux alentours de 20h que se passe la prochaine scène, c'est-à-dire à l'heure du dîner. Jackie devrait parler d'entrailles de génisse. Écoutez bien son lapsus révélateur. Seulement voilà, un jour, tu t'es trompé dans une de tes prédictions. Est-ce que tu t'en souviens? Ah non, quand ça? C'est quand tu as lu dans les entrailles de cette génisse farcie. Te. La génisse farcie. Tu l'as compris, toi? Idiote! Aïe, 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 ma petite Dorothea, quel dommage que tu n'aies pas été là. Si tu avais vu ce Doro, avec quel courage il a denté et dressé l'infâme Sergente Carlos. Et son complice, Zoom Zoom, avec deux coups d'épée. Tu quittes Zoom Zoom. Mais Zoom Zoom, c'est le geste qui va avec l'épée, là. Ah zoom, bon zoom. Je croyais que c'était le complice qui s'appelait Zoom Zoom. Je te l'ai déjà dit. Ce qui est extraordinaire sur un tournage, c'est que de temps en temps, on se fait plaisir. C'est-à-dire que nous faisons des choses que, normalement, nous ne ferions jamais. Oh, écoute, tu diras rien à personne, c'est promis. Juré. J'ai peut-être craché un peu fort. Maquilleuse! Je t'aurais peut-être t'en parler. Pour une fois que j'ai la possibilité de lui cracher dessus sans me faire engueuler. Oh. Il est celui-là. Excusez-moi, il me bave dessus. Ça marche pas. Non, vous savez, c'est un des appareils perfectionnés. Oh merde! On passe à la prison? Oui, ok. Il était temps, il était temps. Bonsoir madame, je viens seulement vous dire bonsoir. Bonsoir madame. Elle parle jamais dans ce truc là, c'est pas possible. C'est que... Enfin... Bah, qu'y a-t-il, bébé? Bah, il est pas devant tout le monde. Ah ouf. Laisse ton... Maquilleuse.
Où es-tu ? Qu'y a-t-il, Majesté ? Voilà. Fallait quand même me laisser le temps de faire ma voix off. Bon, voilà. Au revoir. Bon. Mon règne touche à sa fin. Les... Comment tu viens de m'en servir ? C'est quoi ? Pat, essaye de te coller plus au bureau que le plan de la hutte. Alors, non, mais mets-toi plus dans l'angle du bureau. Non, déconne pas, on peut pas cadrer. Tu as beaucoup de charme. Tu m'excuses, peut-être. Excuse-moi. Merci. Tu déranges. Et voici. J'ai mon truc qui est tombé dans mon slip, excusez-moi. Voilà, ça y est, c'est bon. Pardon, ça tourne. Monsieur, pour embrasser votre petite amie, essayez donc la bouche. C'est beaucoup mieux lorsqu'il m'embrasse avec sa bouche. Je savais qu'elle allait le faire en plus. On le garde ? Marotte ! Oui ! Tu as les réponses de la semaine dernière ? Oui, tout le monde a gagné. Arrête de me faire des yeux comme ça, j'aurais envie de t'embrasser. On l'a refait. Il voulait m'embrasser. Et en plus, je sais ce qu'il a mangé ce soir. Quelle horreur ! Bah oui, ça c'est drôle. Il s'approche de moi, beurre. Embrasse-moi. Ah, c'est pas lui. Il m'a embrassé. Moralité de cette histoire, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, n'est-ce pas Patrick ? Et dans quelques instants, vous retrouverez la suite de nos amis et les... Oui, d'accord ? Voilà. Et dans quelques instants, vous retrouverez nos amis pour la suite de... Oui, c'est cela ? Et dans quelques instants... Et dans quelques instants, vous retrouverez la suite de nos amis. Je crois qu'on va garder la première, les enfants.